prendre ces médicaments, les homologuer comme adjuvants, pour moi, c'est presque une insulte. Justement, c'est la question que je voudrais vous poser parce que j'ai lu quelque part que quand on parle d'adjuvant, c'est pratiquement une insulte à l'intelligence africaine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar, n'est-ce pas? Oui. Quand le président a dit que nous avons un médicament, vous avez vu des avions qui sont partis parce qu'il a reconnu que c'est un médicament. Il a donné la valeur aux médicaments qui sont le Covid-19. Mm-hmm. Mais depuis qu'on a parlé d'adjuvant ici, qu'est-ce que vous avez vu? Que des critiques. Personne n'est venu commander. Voilà. Qui va se déplacer? Qui va déplacer ses avions pour venir accueillir des adjuvants? Ça, c'est dire que la médecine de nos ancêtres, sur laquelle est basée la synthèse des molécules qu'on utilise, qu'on voit dans les pharmacies, par exemple, c'est dire que ces molécules ne valent rien. Mais vous savez, quand vous dites la vérité, vous êtes un peu isolé. Les traducteurs praticiens sont en mal de reconnaissance. Vous comprenez? Eux, quand on leur dit adjuvant... Et parce qu'on les traite de charlatans. De charlatans. Quand on leur dit adjuvant, homologation, ils sont très contents. Vous comprenez? Mais quand je leur dis que ça, ce n'est pas une bonne chose, ils sont étonnés. Il y en a qui ne sont pas contents. Je vais commencer par vous dire que moi, je suis pro-vaccin. Vous comprenez? J'aime les vaccins du moment où ils sont sûrs et sans danger et efficaces. En cette période, nous n'avons pas de vaccin dans le monde. Nous avons des candidats vaccins.